Les fans d'ici Tout Commence vont être privés d'épisodes inédits ce jeudi 18 mars 2021. La raison? Jean Castex fera sa désormais traditionnelle allocution hebdomadaire pour faire le point sur l'évolution de la crise sanitaire en France liée à l'épidémie de Covid-19. Cette prise de parole bouscule la grille de programme de TF1 car elle est très attendue par le peuple. En effet, le Premier ministre devrait annoncer plusieurs restrictions importantes concernant la vie de nos concitoyens. En conséquence, les fidèles de la fiction dérivée de Demain nous appartient auront droit à cet épisode supprimé le lendemain, vendredi 19 mars à partir de 18h sur la Une. À l'origine, le volet censé être diffusé ce vendredi était le 100e d'ici du commence mais à cause de ces changements, ce fameux et tant attendu épisode 100 ne sera proposé que lundi sur TF1 à 18h. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, un second épisode inédit sera diffusé dans la foulée ce lundi, à 18h30. Quels nouveaux rebondissements attendent les élèves et les profs de l'Institut Auguste Armand? Pas d'épisode inédit d'ici Tout Commence le jeudi 18 mars sur TF1. Actuellement dans les intrigues d'ici Tout Commence, Hortense est dans une position délicate à cause de Hugues. Greg a confié à Lionel qu'il pense être gay. De plus, il n'est pas insensible au charme d'Eliott. Noémie, de son côté, a commencé à sortir avec Gaëtan au mécontentement des sœurs de celui-ci. Kelly désire plus que tout intégrer l'école de cuisine, tandis que sa mère, Laetitia, se retrouve dans un triangle amoureux avec Claire et Vincent. Enfin, Mehdi a demandé de l'aide à Tessier pour réaliser son souhait le plus cher avant de mourir.